Retour dans le gymnasium d'Osaka où se déroulent ces championnats du monde par équipe. Avec ce quart de finale de tous les dangers entre la France et la Corée du Sud, on vous rappelle que ces deux équipes se sont qualifiées pour ces quarts de finale en remportant leur 8e 3-2. Chacune de leur côté, eh bien à nouveau, il va y avoir un 5e et dernier match décisif pour savoir qui des tricolores ou des coréens vont réussir à se qualifier pour les demi-finales avec une médaille de bronze assurée au bout de cette rencontre. Le Gu, 16e au classement mondial, affronte Oh Sang-hoon, que vous ne connaissez peut-être pas. 24 ans, 26e au classement mondial, donc autant vous dire que c'est parité totale, ils se tiennent dans un mouchoir de poche tous les deux. Oui, tout à fait. Oui. Le voici, Oh Sang-hoon, qui a été quart de finaliste au championnat d'Asie l'année dernière, qui avait perdu au premier tour au championnat du monde en compétition individuelle, qui a été demi-finaliste en 98 aux Jeux Asiatiques, qui a été demi-finaliste cette année sur le Pro Tour à l'Open du Qatar. Il est dangereux, on le sait. Mais Christophe Legout, Christian, a cette capacité, et tout le monde ne l'a pas, d'avoir un mental en acier trempé, et quand il a ce genre de rencontre déterminante à négocier, en général il est très très fort. Ah oui, je crois qu'il a jamais déçu l'équipe de France dans ce genre de situation. Là, je crois que le guerrier est lâché dans l'arène. Et on le verra dès les premiers points. Je crois que Chris, avec le point levé, et qui va courir dans tous les sens dans ses terres de jeu. Et on le sait capable de jouer même des fois au-dessus de son niveau sur des matchs de cette importance. Il l'a montré à différentes reprises sur tous les matchs importants. On a eu quelques surprises jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on mettra tout ça entre parenthèses avec les deux défaites de Kim Tae-soo dans ce match de quart de finale. Alors qu'on s'attendait au moins à ce qu'il en gagne un, voire deux. Eh bien, chaque fois, il a perdu. Ça, c'est une surprise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous sentez sur le banc des Coréens du Sud qu'il y a comme une espèce de désillusion. Ils y croient, bien évidemment, encore, puisque Oh Sang-hoon est loin d'être maladroit. Mais c'est vrai que c'est mal embarqué pour eux maintenant. Il y a un avantage psychologique pour la France. Il va falloir en profiter. Deux points partout entre la France et la Corée du Sud. Cinquième et dernier match décisif. Christophe Legout, 16e au classement mondial, affronte Oh Sang-hoon, le Coréen, 26e au classement mondial. Le Français au service. Là, Christophe qui est déjà dedans, là on le sent vraiment déterminé. Écarter ça. Un joueur complet Oh Sang-hoon. Oui, qui contrairement aux deux autres coréens a adopté la prise orthodoxe. Ah, il est pourtant bien démarré, Christophe Legault, en portant les deux premiers points. Il a perdu les trois suivants. 3-2. Oh Sang-hoon est un joueur qui est très bien équilibré et qui a très très bon revers avec une grande fluidité dans les mouvements.
Attention, il a creusé un écart significatif, là, le Coréen. Christophe qui était un petit peu loin de la table. C'est encore un peu son défaut, trop souvent. De reculer trop vite sur la première balle et une fois une distance il est quand même moins performant. Il commence à y avoir de l'ambiance autour de cette table. Beaucoup de supporters coréens. Ouh là là, il est en train de faire un cavalier seul. Depuis les 2-0 de Christophe Legout au début de ce match. 10-3 maintenant pour le Coréen. Portland. Oui, Christophe qui a été terriblement gêné sur les services tout à l'heure de Osung et qui n'a pas trouvé encore les bonnes remises, mais c'est assez normal compte tenu de cette... c'était la première série de services, je crois qu'il faut un petit temps d'adaptation. Je crois que ça ira mieux maintenant à 10-5 pour Christophe qui se doit de prendre un petit peu plus le temps d'attendre la balle et pas trop se précipiter sur cette remise. 10-5, premier set. 26. Osangoon qui cherche systématiquement le ventre de Christophe derrière son service. Il est vraiment en position d'agresseur, le Coréen, depuis le début de ce match. Ça défile. Ouais, encore une série de 4 points en faveur de Osangoon pour un seul de perdu sur son service. C'est beaucoup. Oui, manifestement, là, Christophe n'a pas encore beaucoup de solutions sur le service de Osangoon. Il faut absolument qu'il soit un petit peu plus patient sur ses remises. Trop de précipitation encore. 7 points de retard. C'est jouable encore, c'est jouable. On ne peut pas faire grand chose quand on est aussi loin de la table. Oui. Il faut gagner tous ses points maintenant. Peu de chance là pour Christophe qui était une fois de plus à la rue là pendant l'échange. Christophe essaye peut-être de venir remettre les services un peu plus souvent avec son revers là maintenant. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire sur cet échange.
Oh, il domine complètement sur ses séries de service. Ah, il ne fait que subir, Christophe Legout. S'en sort bien encore là. Oui, sauvetage un peu inespéré, mais c'est vrai que pour l'instant il n'a pas trop de solutions sur les remises de service et derrière à chaque fois c'est pénalty pour le Coréen. Je crois qu'il faudrait qu'il prenne un petit peu plus de risques aussi maintenant parce que d'autant que sa première balle en topspin ne gêne pas outre mesure le Coréen qui la contrôle très facilement. Donc il faudrait essayer de mettre un petit peu plus de poids dans cette balle maintenant. Mais c'est bien évidemment plus facile à dire qu'à faire. Ouais, 11-20, 9 balles de 7 pour O. Ça fait beaucoup, la première est bonne. Attention, 21-11 dans ce premier set pour la Corée du Sud. Avec un O Sang-hoon qui a quand même largement dominé son adversaire. Oui, je suis vraiment très très surpris par le niveau de jeu prodigué par le Coréen sur ce premier set. Il n'a vraiment rien raté, que ce soit sur les démarrages ou même pendant l'échange. C'est vrai que les choses se compliquent un petit peu pour Christophe maintenant. D'autant qu'il n'a pas trop de solutions, comme on le disait tout à l'heure, sur tout ce qui est petit jeu. Et on sait que c'est un petit peu son point faible à Christophe. Autant il est bon dans l'échange sur tout ce qui est vitesse et poids dans la balle, mais autant il est un petit peu plus sensible dans tout ce qui est remise de service. Donc il faut absolument qu'il trouve des solutions sur service, quitte à venir chercher la balle un peu plus souvent avec le revers. Et s'il doit remettre avec le coup droit, je pense qu'il faut qu'il utilise le flip un peu plus souvent aussi. Et puis surtout qu'il mette plus de consistance dans cette première balle qui avait l'air, semble-t-il, un peu trop facile. Vous le sentez comment là intérieurement, Christian, vous qui étiez à la place de Patrick Birauchaud il n'y a pas si longtemps? Ah, je crois que Christophe est rarement altéré par la perte d'un premier set ou par l'enjeu d'un match, donc je ne suis pas très soucieux par rapport à ça. Je crois que c'est plus au niveau technique que pour l'instant il n'a pas trop les outils pour contrecarrer le Coréen. Bon, maintenant je pense que c'est surtout l'entame de ce deuxième set qui va être important. Il faut absolument que Christophe fasse douter d'entrer ce Coréen parce que quand il joue relâché, il est vraiment impressionnant. ...21-11 en faveur de la Corée du Sud dans le premier set au son des tambourins coréens. Début de deuxième manche, Oh Sang-hoon au service. Voilà, je crois que c'est une des armes pour Christophe d'essayer de flipper là sur le revers de Sang-hoon sur son service. Il a encore une balle au ventre de Christophe. Il y a un superbe point là et qui permet à Christophe de prendre le service avec un léger avantage, mais c'est quand même la première fois qu'il est devant depuis le début du match et je crois qu'avec les services à suivre au niveau de la confiance c'est pas mal.